Le rappeur Lil TJ vient de se faire arrêter. Je vais aussi vous parler de Zola qui a été gravement blessé. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. We Are Chain Nation a mis en place une offre spéciale sur quelques pièces avec le code promo WCN40. Vous aurez moins 40%. Tu trouveras forcément ce qu'il te convient. La qualité est toujours au rendez-vous et les clients sont toujours satisfaits. Vous avez toujours la possibilité de payer en plusieurs fois et la livraison est comme d'habitude gratuite dans le monde entier. Récemment, je vous avais dit que Zola était à Kinshasa. Malheureusement, il a eu un accident de moto. Il s'est exprimé sur les réseaux, fracture personnée, on va opérer ça en France, nique sa mère. Malgré sa blessure, ça ne l'a pas empêché de continuer le tournage du clip avec Tiakola. Trippie Redd vient de révéler la tracklist de son album, Mansion Music, qui sortira très bientôt. Il y a Travis Scott, Future, Juice WRLD, Chief Keef, Lil Baby, Lil Durk et bien d'autres. Son projet est produit par Chief Keef. En parlant de projet, Drake travaille actuellement sur son prochain album. C'est son producteur qui l'a annoncé. Après avoir reçu plusieurs coups de feu, le rappeur Lil TJ vient de se faire arrêter. C'était lors d'un tournage d'un clip avec Ice Spice. La police a contrôlé son véhicule et a trouvé une arme à feu. Il est actuellement en garde à vue. Gazo vient d'utiliser un très gros morceau, je vous laisse écouter ça. Et la dernière news qui je pense va faire plaisir à pas mal de personnes, Frank Ocean vient d'annoncer qu'il travaillait actuellement sur un nouvel album. C'était tout pour cette news sur Frank Ocean, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires les gars, qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées. Trippie Redd, l'accident de Zola, Lil TJ qui s'est fait arrêter pour possession d'armes à feu. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille, peace. Thank you.